Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un échauffement avant même de monter sur les anneaux. Donc cet échauffement est issu directement de ma routine personnelle, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Vous allez voir, c'est un échauffement très complet qui va nous permettre de solliciter l'ensemble des articulations du haut du corps qu'on va retrouver justement sur le travail aux anneaux. Donc on évite tout risque de blessure les amis, on s'échauffe bien, c'est super important. Donc si t'es prêt, on est parti et on va commencer par un petit échauffement articulaire. Allez, tu as juste à me suivre et on va commencer donc avec la tête et on va en faire 10 de haut en bas. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite de droite à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais faire 5 tours à droite et 5 tours à gauche. Je suis à 2, 3, 4 et 5. On part dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 10 cercles de bras. Allez, 1, 2, 3, 4. J'espère que ça va. Hein. 5, 6, 7 et que vous êtes motivés. 8, 9 et 10. Parce que j'imagine que si vous faites cet échauffement, c'est que vous allez faire une petite séance à nous après. Allez, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens ouvrir ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens derrière. Voilà, très bien. Parfait. Donc ces petits mouvements de balancer, moi personnellement, au niveau de ma mobilité, c'est assez important. Ça m'échauffe vraiment bien les épaules. Ok, maintenant on va venir échauffer donc nos poignets. Je vais faire donc 10 tours à droite et 10 tours à gauche. On est à 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre sens. 1. 2, 3, donc on a toujours un sens qui est un peu plus facile que l'autre. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc maintenant on va se mettre au sol pour continuer à échauffer nos poignets parce que c'est quand même assez important de bien les échauffer avant même de monter sur les anneaux. Donc là je suis ici et je vais faire des quarts de rotation. Donc je pars ici, très bien, je viens ouvrir. Je repasse dans la position là où on était avant. On vient devant. Et on vient en intérieur. Vous avez vu qu'à chaque fois que je tourne le poignet, je bascule sur un appui et sur un autre pour libérer mon poignet à chaque fois. Voilà, très bien. Super. Parfait. Et à l'intérieur. Ok. Et ici. Et maintenant, on va venir monter 10 fois ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je ferme les poignets. Donc là, on se retrouve un petit peu dans la position aux anneaux. Et on va venir devant et derrière. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc maintenant on va venir échauffer nos coudes et on va venir passer le bras comme ceci. Venez, extension complète au niveau du bras à chaque fois. 3, 4, je serre le poing. 5, très bien. 6, c'est ça. 7, ici.
8, extension à fond au niveau du coude, 9 et 10, l'autre côté, ça, à chaque fois l'extension complète au niveau de notre coude, parfait, 4 et ça, 5, 6, super, 7, 8, 9, venez en extension complète à chaque fois, c'est super important. Et 10. Bon, pour ceux qui me connaissent, la petite série des pouces au niveau des fixateurs d'omoplates. Donc là, on va venir se mettre sur le ventre, donc ici, donc avec le menton vraiment au sol. Donc là, les pouces en l'air parce qu'on est content de faire cette série, les amis. Et ensuite, on lève. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 devant. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 petits ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On monte derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 devant. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Ouh, ça brûle bien, hein. Ouh. Allez, relâchez un petit peu. On va faire un petit peu de mobilité aussi maintenant, voir un petit peu ce que vous valez. Donc là, on a les épaules qui sont ici. On va venir donc défixer nos omoplates et les fixer. 1, je les fixe. Et 2, 3, 4, et 5, je fixe. Et 6, et 7, et 8, on garde les bras tendus. Je sais que c'est pas facile. 9, et 10. Ok, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo les amis et si vous avez, allez chercher un petit élastique. Donc, l'élastique, je vais le mettre au niveau de mon pied. S'il est sur mon pied gauche, c'est avec la main droite que je vais l'utiliser. On va venir donc monter à 90 degrés comme ceci et faire une rotation externe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. De l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On re-switch et donc là on va faire rotation externe plus élévation. Donc je suis ici, je lève à 90 degrés, ici, et 1 et 2, je l'ai pris dans la gueule l'élastique, 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 9 et 10. Donc là, c'est vraiment un élastique assez fin. Faut pas qu'il soit trop épais l'élastique parce que je peux vous dire que sinon, ça va vraiment être trop difficile. Ici, et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, très bien. 6, 7,
8, 9 et 10. Ok. Je viens prendre mon élastique ici et je viens faire légèrement des petites dislocs. 1. Okay. Et 2. Et 3. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, encore 2. 9. Et 10. Parfait. Alors, si vous avez un petit poteau pour pouvoir accrocher votre élastique, ça peut être bien. Donc là, j'ai accroché mon élastique ici. Voilà, comme ceci. Et en fait, je vais venir préparer mes coudes. Pour bien préparer ses coudes, c'est super important, je vous l'explique, parce qu'à chaque fois sur les anneaux, on vient sur une extension complète au niveau de notre coude. Je sais que ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut trouver donc en salle de musculation, parce que toujours on privilégie une petite flexion. Sauf qu'aux anneaux, c'est l'inverse. On va vouloir aller chercher l'extension complète au niveau de notre coude. Donc là, j'ai mon élastique qui est ici, au niveau de ma main, et je vais venir avancer le bras, comme ceci. Je ne vais pas penser à pousser avec mon élastique, mais je vais penser à amener mon coude devant en hyperextension. Et en fait, je vais casser légèrement mon poignet, donc je vais complètement l'ouvrir mon poignet. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Change de bras. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc là, je prends mon élastique ici et je vais venir le passer derrière comme ceci. Alors, je sais pas si vous voyez bien. J'essaie de me positionner par rapport à la caméra. Et dans cette position, on va venir faire une rotation externe au niveau des épaules. On vient tirer les épaules derrière en faisant une petite rotation. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je change. Donc des fois, on peut s'en mêler un petit peu au début. Donc, je suis ici. Ok, de face, donc face à mon élastique, je tourne complètement et j'ai le bras en fait qui est derrière. Je suis là, je mets une petite tension dans mon élastique et une rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Donc là, clairement, j'ai échauffé l'ensemble des articulations du haut du corps. Je suis capable maintenant de monter sur les anneaux en toute sécurité. Et je vais continuer mon échauffement sur les anneaux. On va juste se faire donc 10 fois, on va venir à l'appui et ensuite on va revenir au sol. Donc je suis ici, je monte à l'appui, 1 et je redescends. 2, là je sens que je suis bien chaud. 3, avec tout ce qu'on vient de faire là. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, je vais venir ici. Je vais descendre à ce niveau-là, bien ouvrir donc au niveau de mes épaules. Parfait. Ensuite, je passe derrière ici. Je viens avancer et étirer au niveau de mes épaules. Donc là, je fais des étirements qui sont actifs. Hein. Je ne vais pas faire du passif parce que sinon, je vais perdre toute l'efficacité derrière si je veux bosser musculairement. Ok. Parfait. Donc pour finir, on va venir monter les anneaux. Donc assez haut. Ok.
Ok, parfait. Donc là, je vais venir prendre mes anneaux et on va venir faire fixation au niveau des omoplates et je défixe. On fixe et je défixe. On fait ça 10 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà les amis, j'espère que cet échauffement vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, un échauffement, c'est très individuel. Donc n'hésitez pas à faire des exercices supplémentaires si vous en avez besoin. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager cette passion avec vous pour les anneaux. Cet échauffement fait partie intégrante du programme KD Rings qui sortira très prochainement. Un programme pour augmenter sa masse musculaire tout en prenant un maximum de force. Si ce programme t'intéresse, n'hésite pas à me contacter via mon site internet. Sinon, on se retrouve très prochainement pour un nouvel entraînement. Si jamais tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. On active la petite cloche pour ne louper aucun de mes entraînements. Et je te dis à très bientôt. Ciao les amis, prenez soin de vous.